Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Tranquillité. Aujourd'hui, je vais vous présenter les nouvelles fonctionnalités de WAPT 2.1. L'une des premières fonctionnalités de WAPT, ça va être la partie authentification de Kerberos, donc je vais pouvoir m'affranchir du mot de passe lorsque je me connecte à la console. Donc déjà, première nouveauté dans WAPT, ça va être la partie design, on a modernisé l'ensemble des icônes de la console. D'un point de vue aussi fonctionnel, toutes les licences WAPT Enterprise sont désormais sauvegardées côté serveur. Pour passer sur la partie inventaire, l'une des premières fonctionnalités disponibles dans la 2.1, ça va être la partie filtrage d'OS. Donc si je veux par exemple uniquement mes machines Windows, je vais cliquer sur Windows et du coup ça va me filtrer uniquement mes machines Windows. On a désormais un icône pour voir visuellement les OU qui ont des paquets OU d'affectés. On peut aussi également glisser-déposer un logiciel. Donc par exemple si je veux obtenir la version de 3CX sur mes machines, je vais glisser-déposer 3CX et je vais pouvoir voir que dans la partie inventaire, je peux désormais voir la version de 3CX. On peut maintenant voir grâce à un onglet dédié les certificats déployés dans la console. On peut également voir les dépôts secondaires dépendant d'une machine. Pour passer à la partie dépôt privé, maintenant en fait on peut sélectionner les paquets obsolètes et les supprimer pour faire du nettoyage dans WAPT. On peut également voir les dépendances du paquet, donc par exemple 7-Zip, si je veux voir quelles sont ses dépendances. Donc je vais cliquer sur afficher les paquets dépendants et je vois que du coup tous ces groupes de paquets ont 7-Zip en dépendance. On peut également déchiffrer facilement le contenu d'un log install ou d'un log audit. Donc par exemple, là je vais avoir un paquet pour en fait remonter des informations sensibles dans l'inventaire de la console. Donc celui-là permet en fait de lire la clé de licence du logiciel et du coup je peux lire le résultat grâce à ma clé privée. Hop. On voit que le résultat est remonté. Pour passer à la partie mise à jour Windows, maintenant toutes les anciennes KB qui ne sont plus affectées sont supprimées automatiquement toutes les nuits. Donc en fait ça permet de gagner encore plus de place sur le serveur WAPT. Petite tech preview, donc cet onglet permet d'afficher et d'éditer des paquets existants qui sont déjà présents dans le dossier WAPT Dev. La partie inventaire logiciel permet maintenant de normaliser les noms des logiciels dans un onglet dédié. Donc par exemple si je veux normaliser 3CX, je sélectionne les deux 3CX et je peux normaliser les 3CX. Et du coup grâce à cette normalisation je peux voir sur quelle machine est installé 3CX. Et on peut du coup agir facilement sur une machine, par exemple si je veux agir sur le client 1, je peux interagir depuis la partie inventaire logiciel. Cet onglet est notamment très pratique quand on vient d'installer WAPT et qu'on souhaite appliquer par exemple le paquet Firefox sur toutes les machines qui l'ont déjà. Et ça nous permet aussi de s'affranchir un peu des requêtes SQL. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez tester cette nouvelle version, rendez-vous sur notre site tranquille.it. Vous pouvez également nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. À bientôt !